Tous d'accord. Aujourd'hui, avec ensemble avec vous, visiter ces poussages, est très content. Ouais. Et le... ah, très bien. Elle trouve très bien. Avant, elle était très timide, d'accord. Maintenant, grâce à vous, elle est ouverte. Ok. Maintenant, il est commandé grâce à vous, il est parti les timides, d'accord. Et aussi, il est content de visiter les monastères avec vous, avec les clowns, d'accord. C'est très bien. Pourquoi c'est bien avec vous? Avec les clowns, d'accord, tout le monde comprend bien qu'est-ce que vous donnez le message. C'est pour ça qu'elle est trop contente. Ok. Parle fort. Ah, elle est très, lui est très content parce qu'avec les vêtements de clown, d'accord, sorti dehors, sur la route, danser et comment dire, donner le message, c'est pour ça qu'elle est très contente. Elle a aussi gagné les un peu de confiance. Confiance, voilà. Ok. Voilà. Ah, là. Elle aussi travaille avec les touristes, d'accord. Mais pas longtemps, pas seulement un jour, il travaille avec les touristes. Cette année, il travaille 5 jours. Alors, très content. Où tout le monde ouvert, gentil. C'est pour ça qu'elle est très contente. Lui reste ici, d'accord. Et il a vu les photos de pris par les Jean-Pierre. Il est très content, d'accord. Et après, il a manqué pour il parti pas à monastère, d'accord. Et maintenant, il est parti avec nous ensemble. C'est pour ça qu'il est comme il trouvé beaucoup de joie. C'est ça. Ok. Il aime lui aime les chapeaux, c'est pour ça qu'il pas quitte. Si il quitte ici, quelqu'un faut et lui il pas trouver les chapeaux. C'est pour ça. Elle dit qu'elle n'a jamais vu les clowns comme ça, d'accord. Elle n'a aussi jamais travaillé avec les touristes, d'accord. Cette année, elle travaille jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle a trouvé beaucoup de arabes, beaucoup de contents, d'accord. Et aussi, elle dit les habitants de Lama Yugu, ils ont aussi gagné les confiance, ils sont aussi contents. Elle dit comme ça. Lui dit, elle n'a jamais aussi travaillé avec les touristes, d'accord. Cette année, avec vous, elle travaille, d'accord. C'est pour ça qu'elle est très contente. Tout le monde est gentil. Et aussi, elle n'a jamais vu les, comment dire, les
journée du français, d'accord, journée de l'étranger, comment dire, pendant notre clown, vous avez montré comment vous passez les journées, après, comment dire, retourner chez vous, les soirs, comment vous passez. C'est notre vie. Voilà, votre vie. Elle est, maintenant, elle a trouvé beaucoup d'expérience. C'est pour ça qu'elle est très contente. Et tout le monde, elle lui dit tout le monde gentil dans notre équipe. C'est pour ça qu'elle est très contente. Déjà, je voulais remercier tous les Ladakhi d'avoir participé à ce stage pendant 5 jours et avoir mis beaucoup d'eux, de leur personne, de l'engagement pendant tous les exercices. C'est ça qui a permis de faire une rencontre entre nous et vous. Et donc, sans cet engagement de votre part, on n'aurait jamais pu le faire. Donc, merci pour ça. Ensuite, c'était très intéressant. On a eu du coup une expérience en tant que touriste qu'on n'aurait pas pu avoir autrement, donc c'est le clown qui l'a permis. Et enfin, on a fini par une déambulation. On avait tous un peu peur hier, on ne savait pas comment on serait accepté par les gens de la rue. Et tout le monde a été très réceptif, très gentil avec nous. Et merci aussi à tout le village de la Maëlle. Merci. C'est-à-dire que je pense qu'on n'aurait pas rencontré. Enfin, quand on va faire du tourisme dans un pays, s'il n'y a pas quelque chose comme ça, on ne rencontre pas les gens. Et là, j'ai l'impression qu'on s'est un tout petit peu rencontrés, qu'il y a eu des petits moments de poésie. Et c'est très chouette. Je travaille aussi le clown avec des étrangers. Et j'ai trouvé que ça a bien fonctionné parce qu'effectivement on s'est rencontrés sur le jeu autour de l'amusement et puis on a pu échanger aussi sur nos manières de vivre, voilà, parce qu'effectivement quand on est touriste on aperçoit des bouts de vie des populations, mais là vous avez pu nous montrer comment vous viviez là, en hiver, en été, les différences, et puis on peut comparer aussi avec nos vies. Et puis de manière générale, je trouvais qu'il y a eu vraiment de belles connexions avec vous tous pendant ces 5 jours. C'était vraiment... Je voulais remercier Ladakhi. Ce que j'ai vraiment trouvé super, c'est qu'il y avait... Vous êtes 6-7 Ladakhi à être restés vraiment dans le stage. Donc vous avez été là tous les jours. Et c'est ce qui a, je pense, permis qu'on se connaisse, qu'on puisse jouer ensemble, qu'on puisse échanger sur nos vies quotidiennes. Donc c'était vraiment super. Et la deuxième chose, c'est que j'ai pris beaucoup de plaisir, même si c'était aussi parfois pas très confortable, à sentir qu'il y avait des gens qui passaient, qu'il y avait parfois beaucoup de monde. Il y a eu des après-midi, peut-être, je ne sais plus, mais il y a 2-3 jours, il y avait plein de monde dans toute la salle. Et c'était vraiment super. Et voilà. Et puis les enfants, c'est pareil, c'était à la fois un inconfort, oui, mais c'était génial. C'était la vie. Jean-Pierre de Caravanteatre et moi, Domenica de la Route de l'Inde, on est très contente. En effet, ça fait des années qu'on rêve de faire un projet comme ça au Ladakh. Et grâce à vous tous, donc à l'équipe française et à l'équipe Ladakhi, cette rêve, et surtout à notre Namka d'amour, que cette rêve s'est réalisée. Merci pour leur générosité spontanée. Où ils attendaient rien, ils ont donné tout. Et surtout, la liberté qu'ils nous ont donnée d'aller n'importe où, comme on voulait. Et merci. C'est les galets. C'est plus, beaucoup plus. Je pense que j'aimerais bien peut-être en refaire un. Mais pour moi, c'était trop court. Et ça dure plus longtemps. Être avec des gens d'autres pays, enfin, plein quoi, et Ladakhi, et pouvoir faire des choses ensemble, donc quand on est touriste, on fait rencontrer avec eux. Ouais. Merci. Je vais regarder une carte parce que je ne savais pas où c'était, et c'est un pays où je ne serais jamais allée dans ces conditions-là. Donc là, je suis ravie d'avoir découvert le Ladakh dans ces conditions, et j'ai envie de revenir au Ladakh et en Asie. Voilà. Aussi. Il y a 2 semaines, je suis arrivé au Ladakh. J'ai été malade. Une semaine. Mal au ventre, mal à la tête, envie de vomir. Voilà la première impression du Ladakh. Je ne connaissais ni les Français autour, à part ma famille, ni l'Espagnol, les Belges, ni vous, Ladakhi.
Et aujourd'hui, je me sens partie d'un groupe. On est une équipe. Et on a fait quelque chose de beau ensemble. Et merci. ¿Cómo estás por hablar en galés? Que me gustaría pasar más tiempo con la gente de la Mayuro. Me lo he pasado muy bien y espero que ellos también se hayan divertido tanto como yo. J'aimerais passer plus de temps avec les gens du LATAC. Je me suis beaucoup divertie ici. Entonces vamos a perder algo cuando nos vayamos de aquí. Pour moi, c'est dommage qu'ils ne nous suivent pas tout au long, parce que ça a été bien et c'est dommage. Y que me gustaría estar bien para poder haber, para hacer el clown, pero no puedo. Estoy mal. Elle aurait aimé faire aujourd'hui le clown, mais elle était malade, donc elle n'a pas pu trop faire. Okay. Je ne vais peut-être pas redire tout ce qui a été dit, parce que c'est plus ou moins ce que je pense, mais juste peut-être ajouter une parole. Ils disent tous qu'ils sont timides, qu'ils sont réservés. Moi, je n'ai pas trouvé que du contraire. Dès le premier jour, je trouvais qu'ils étaient tout de suite en contact, en écoute, et ils étaient très bons acteurs. Même si pour moi aussi, c'est la première fois que je fais du clown.